بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très 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 bien. Comme d'habitude, ma présence est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, première année cycle collégial, chapitre 2, les nombres fractionnaires, l'adad al-kasri. Activité de découverte, page 33, un chita d'yel al-kesh. Activité 1, un gâteau de forme circulaire, voilà un gâteau de forme circulaire, a été partagé en 12 parties. Il est partagé en 12 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parties, égale. Taufiq a mangé 3 sur 12. Il a mangé 3 sur 12. Widad a mangé 4 sur 12. Et Iman a mangé 5 sur 12. 2, 3, 4, 5. Voilà. 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 Et voilà. Donc là, le gâteau il est divisé en trois parties inégales, des parties inégales. Alors, quelle fraction du gâteau reste-t-il? Alors, on a dit que Iman a mangé 5 sur 10, Ouida a mangé 4 sur 10, Tofer a mangé 3 sur 10, donc les parts de chacun ne sont pas les mêmes. Donc, quelle fraction du gâteau reste-t-il? Quelle est la fraction qui reste du gâteau? Alors, avant de chercher la fraction qui reste, il faut chercher la somme du fraction du gâteau mangé. Il faut chercher la fraction qui représente le gâteau mangé. Nous avons 3 sur 12, 4 sur 12, 5 sur 12. Alors, quand les fractions ont le même dénominateur, je garde le même dénominateur, je fais la somme des numérateurs. Alors, qui est égal à 12 sur 12. Ça veut dire que le gâteau tout entier, il est mangé, il ne reste rien. Alors, la fraction du gâteau reste-t-il? La fraction du gâteau reste-t-il? Alors, nous avons 12 sur 12, c'est la fraction qui représente le gâteau tout entier, moins la fraction qui représente le gâteau mangé, c'est 12 sur 12. Donc, je garde le dénominateur, je fais la différence des numérateurs qui est égale à 12 moins 2 égale à 0. 12 moins 2 égale à 0 sur 10, ça veut dire il ne reste rien. Il ne reste rien. Lequel de Taufir et Iman a-t-il mangé la plus grande part? Qui est-ce qui a mangé la plus grande part? Est-ce que Taufir ou bien Iman? Alors Taufir, nous avons 3 sur 12 et Iman, nous avons 5 sur 12. Les deux fractions ont le même dénominateur. Quand les fractions ont le même dénominateur, le plus grand est celui qui a le numérateur le plus grand. Donc, Taufir a mangé la plus grande partie du gâteau. 5 sur 12 est supérieur à 3 sur 12. Donc, c'est Iman qui a mangé la plus grande part. Il a mangé la plus grande part. Pourquoi? Parce qu'il a 5 sur 12. Parce qu'il a 5 sur 12. Troisièmement, comparer les parts mangées par Widad et Taufir. Les parts mangées par Widad et Taufir. Alors, Taufir, il a mangé 3 sur 12, Widad 4 sur 12. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Taufir a mangé une part inférieure à celle de Widad. Donc, Taufir 3 sur 12, il est inférieur à 4 sur 12. Donc, 3 sur 12 est inférieur à 4 sur 12. Ça veut dire que Widad, il a mangé plus que Taufir. Il a mangé plus que Taufir. Bien. Alors, je termine l'exercice numéro 4.
voilà. Quatrièmement, à l'aide de l'image, voilà, ranger dans l'ordre croissant les nombres 5 sur 12, 3 sur 12, 4 sur 12. Donc, nous avons les fractions ont le même dénominateur. La plus grande fraction est celle qui a le numérateur le plus grand. Et la plus petite, celle qui a le numérateur le plus petit. Donc, 3, c'est le nombre le plus petit. Donc, 3 sur 12, il est inférieur à 4 sur 12, il est inférieur à 5 sur 12. Donc, voilà, les nombres sont classés par ordre croissant. Ça veut dire du plus petit au plus grand. Activité 2. Idriss a acheté une tablette de chocolat de 12 carreaux. Hein, une tablette de chocolat, voilà, voici, de 12 carreaux identiques. Idriss a mangé 4 carreaux. Donc voilà, il a mangé 4 carreaux. Et sa sœur en a mangé 2 carreaux. Voici sa sœur, hein, 2 carreaux. Alors, premièrement, ou bien petit a, quelle fraction du chocolat ont-ils mangé? Quelle est la fraction du chocolat qu'ils ont mangé? Alors, Idriss a mangé 4 sur 12. Et sa sœur a mangé 2 sur 12. Alors, la fraction qui représente la partie du chocolat mangé, c'est 4 sur 12 plus 2 sur 12 est égal à 6 sur 12. Donc, voilà la fraction qui représente la partie mangée du chocolat. 6 sur 12. La fraction du chocolat, la fraction du chocolat mangé est 6 sur 12. C'est 6 sur 12. Deuxièmement, quelle fraction de chocolat reste-t-il? Alors, nous avons 12 sur 12, moins 6 sur 12, c'est la partie, c'est la fraction qui représente la fraction du chocolat mangé. Donc, 12 moins 6 sur 12 égale à 6 sur 12. Donc, la fraction qui représente le chocolat mangé, 6 sur 12, et la fraction qui représente le chocolat qui reste, c'est 6 sur 12. Troisièmement, calculer 2 sur 8 plus 3 sur 8. Alors, nous avons ici... Quand les fractions ont le même dénominateur, je garde le dénominateur et je fais la somme. 2 plus 4, la somme des numérateurs. 2 plus 4 égale à 6 sur 12. Donc voilà la somme. 5 sur 6 moins 3 sur 6, le même dénominateur. Je garde le dénominateur, je fais la différence. 5 moins 3 égale à 2. 2 sur 6. Donc voilà, je passe à notre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, nous avons 13 sur 5 plus 16 sur 5. Alors, nous avons le même numérateur, c'est 5. 13 plus 16 égale à 29. Donc, voilà la somme. 4 sur 3 moins 1 sur 3. On a le même dénominateur, c'est 3. Je fais la différence. 4 moins 3 égale à 1. Égale à 1. 3 sur 3 égale à 1. Voilà la réponse. Activité. Colorer en rouge les cases qui représentent les 7 10 dixièmes de la surface du rectangle. Alors, nous avons un rectangle de 4 carreaux de largeur et 10 carreaux de longueur. Ça veut dire 4 fois 10 égale 40 carreaux. Alors la partie qui représente, on va colorer les 7 dixièmes de la surface du rectangle. Alors quel est le nombre de cases colorées en rouge? C'est 40 multiplié par 7 sur 10. Nous avons 40 carreaux fois 7 sur 10 qui est égal à 7 fois 4, 280 divisé par 10 égale à 28. Donc voilà la partie qui est coloré en rouge, il représente 28 cases. 28 cases. Comparez 7 sur 10 et 28 sur 40. Alors, nous avons ici 7 sur 10. Alors, pour chercher le dénominateur commun, je multiplie 10 par 4. Donc, 10 fois 4 égale à 40. 7 fois 4 égale à 28. Donc, on a le même dénominateur. Ça veut dire que les deux fractions sont égales. Donc, 7 sur 10 est égal à 28 sur 40. Donc, les deux fractions sont égales. 7 sur 10 égale à 28 sur 40. En plus, on peut faire le produit en croix. 7 fois 40, 280. Et 10 fois 28 égale 280. C'est la même chose. Colorer en vert 4 cases supplémentaires. Donc, voilà 4 cases supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Quel est le nombre de cases colorées en tout? C'est 28 plus 4. 28 plus 4 égale à 32. Alors, 32 sur 40. Voilà la fraction qui représente le nombre de carreaux colorés. 32 carreaux sur 40. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour commencer la première leçon des nombres fractionnaires.